c'est mon mag, c'est mes spectateurs. Pas de balcon, envie de nature. Et si vous vous aménagez un petit jardin en bas de chez vous, est-ce que vous avez le droit? Je vous propose de le découvrir dans cet épisode consacré à la végétalisation urbaine. Allez, je vous raconte et je vous montre. De plus en plus de villes proposent maintenant aux habitants de prendre part à la végétalisation. C'est très simple, la végétalisation participative, c'est souvent une demande de permis de végétaliser à sa collectivité. C'est gratuit, ça prend quelques minutes en ligne et souvent, vous avez votre permis pour quelques années. Le gros avantage de la végétalisation participative, c'est que ça va vous permettre de rentrer en contact avec vos voisins, de rencontrer plein de gens sympas. C'est une activité qui fait du bien et ça permet aussi de s'approprier l'espace public. Ce qui est top, c'est qu'il ne vous faut pas grand-chose. Une paire de gants pour ramasser les déchets, une pelle pour venir creuser la terre et une petite plante de récup si possible chez les fleuristes qui veulent se débarrasser de leurs plantes à dîner. Alors là, on est sur un pied qui a déjà été végétalisé depuis plusieurs années, mais globalement, le principe c'est le même. On peut commencer à venir retirer un peu de terre. Voilà, il y a souvent des vers de terre, ce qui est plutôt bon signe parce qu'on est allé chercher du compost de quartier dans les immeubles. On va venir implanter sa petite plante au sol, tasser la terre. Et si on voit qu'il y a un ou deux petits déchets qui traînent, les retirer au passage. Bon, bah maintenant j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pourriez me dire en commentaire si vous avez fait des demandes de permis de végétaliser ou autre processus dans votre ville et comment ça s'est passé pour vous? J'ai hâte de lire vos commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et si vous êtes une entreprise, n'oubliez pas que Liane de Rue peut vous accompagner dans vos démarches. Infos et contacts dans la légende. A bientôt et puis surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez. C'est dans le champ.